Salut tout le monde, Runxlane avec vous pour une nouvelle vidéo et suite de notre aventure Kingdom Newlands, épisode je ne sais pas, saison 2, épisode blablabla. On est toujours et de retour sur l'île numéro 3.2, je pense, je ne sais plus. Bref, là, ce qu'on va faire, je ne sais plus, c'est qu'on va... J'ai-tu assez d'argent pour embaucher? Oui, j'ai assez d'argent pour embaucher. Là, je sais qu'on a un portail à gauche qu'on doit péter et qui est vraiment pas loin. Oui, il faut absolument... Vas-y, cheval, passe. Ah là là, trop fatigué, trop fatigué. Est-ce que lui, j'ai déjà payé pour? Oui, j'ai déjà payé pour. Donc, je sais qu'on a un portail à gauche qu'il faut qu'on pète et un portail à droite aussi qu'il faut qu'on pète pour pouvoir avancer. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que je vais gagner sur cette nouvelle île. Et quoi d'autre? Je n'ai pas trouvé d'endroit pour faire une ferme non plus, car c'est pas très avantageux comme terrain. Allez. Ok, je t'ai perdu. Va dans l'autre sens, ce n'est pas grave. Donc j'ai le chien, ça c'est sûr. Je pense qu'ils ont tué... Oh, la nuit s'en vient. Crash ton cash, pas de cash. Crash ton cash. Pas de cash, ok. Toi tu t'en viens, donc je peux déjà construire mes bébelles. Merci. Donc je n'ai pas de champ. Mais j'ai des lapinous, ce qui est pas négligeable. Non, on s'en vient, je ne veux pas prendre votre argent. Donc qu'est-ce que je pourrais... Tiens, lui je vais donner. Travail. Très bien. Bon, ben, est-ce que j'ai une catapulte de ce côté-là? Oui. Est-ce que c'est une nuit classique? Oui. Je n'irai pas péter un portail tant que c'est une nuit classique. Là, je vais dépenser de l'argent. On se calme pour me faire un méga chevalier. Ce côté aussi. Voilà. Et là, non, je vais garder, je vais garder, je vais garder, ok. La nuit a l'air d'être tranquille. Donc je peux vraiment pas... Voilà, je savais que t'allais cracher de l'argent. La nuit est vraiment tranquille. Mon camp est tout petit. Je suis déjà au maximum de mon camp. Je ne peux pas aller plus loin. Donc si je prends la décision de péter le marchand... J'ai pas envie de péter le marchand. J'ai vraiment pas envie de péter le marchand. Bon. Voilà, prends le cash. Merci. Oh, petit voleur. Là, on va attendre tranquillement que lui soit passé de l'autre côté pour le renvoyer. Donc, j'ai pas été bien loin pour l'instant. Où il est? Voilà. Allez, repart. Allons faire un petit tour à droite. Bah, c'est sûr. J'ai des lapins. Un en peut finir. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Je pourrais... Oh, aussi. Mon Dieu. Ok. Là, ce que je peux faire, c'est que je peux m'aventurer un petit peu plus par là. On va embaucher ces trois gars. Je sais pas pourquoi il y en a trois. Et on va détruire tout ça, ok? Sauf lui. Et là, on va aussi s'étendre un petit peu. Donc, si je fais ça, je vais péter le truc. Parce que je n'ai pas envie. Merci. Au moins, travailler là-dessus. Tiens, travaille. Au moins ça. On va les faire avancer un petit peu. Allez. Faisons-les travailler un petit peu. Crache-moi le cash. Toi qui me crache le cash. Personne ne me crache le cash. C'est pas grave. On va continuer. Je suis quel jour, moi? Jour 8. C'est bon, c'est bon, c'est pas grave. Allez, vas-y. On continue. Merci.
Voilà, merci. Voilà, ils sont deux à travailler dessus, c'est très bien. Est-ce que j'ai un niveau de plus? Peut-être. Je pense que oui, et malheureusement, ils n'auront pas le temps de finir de construire ça. La nuit n'est pas tombée encore, mais ça s'en vient. Je prends énormément de risques à faire ça. C'est fort possible. Est-ce que j'ai des chevaliers supplémentaires? Oui. Ben, en fait, non. Je vais donner du cash à lui. Avant que la nuit ne tombe. Allez. Allez, faut que ça travaille. Donnez-moi le cash. Merci, vous aussi. Parfait. Donc, je suis au max, ce qui est déjà bien. Donc, j'ai pu avancer un petit peu. Réfléchissons. Là, j'ai ça. Je ne vais pas dépenser tout de suite. Ok, là, j'ai déjà 3 paires de chevaliers. Ah oui, j'ai des chevaliers partout. C'est ça. Excellent. C'est une très bonne chose. C'est une nuit qui a l'air d'être tranquille. Je pourrais transformer encore. Ah, ça attaque. C'est correct. J'ai toujours pas les totems. C'est ça qui m'embête un peu. Eux, est-ce qu'ils attaquent ou pas? On va les faire manger un petit peu d'herbe. Puis on va aller voir si je peux embaucher. Ah bah tiens, lui. Puis toi aussi. Travail. Donc là, j'en ai deux de plus. Donc là, j'ai un portail. J'ai un portail, mais... Ah, je peux rien péter, hein. Je peux rien péter, rien péter, rien péter. Ok, je peux rien péter tant que... Alors, on va passer. Excellent, la pancarte. Voilà, j'ai le morceau de carte qu'il me fallait. Allez, on y va de l'autre côté. Je vais pouvoir avancer un petit peu. Oh, un ermite. Excellent. Merci. Excellent. Qu'est-ce qu'on a plus loin? Est-ce qu'on a un autre portail? Eh non. On a le quai. Donc le quai est vraiment pas loin. À droite. Donc tout se passe à gauche. Et on m'a dit que je pouvais emmener tous mes chevaliers d'un côté. Ce qui n'est vraiment pas négligeable. Donc je vais y penser. Je vais emmener tous mes chevaliers d'un côté. Je vais emmener tous mes chevaliers sur le bateau. Donc là on y va. Donc j'ai un seul portail à péter à droite. Portail que je ne péterai pas. Tant que... Donc dès que le portail sera pété, je pourrai mettre un champ n'importe où. Là où il sera disponible, bien sûr. Donc il n'y a rien à gauche. Ouf. J'ai un petit peu oublié. Oh mon dieu, vite, vite, vite. Faut que j'aille voir mon gars avant que la nuit tombe et que... Allez, 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 donne-moi le cash. J'ai oublié de te refaire partir. Merci. Bon, j'en ai des chevaliers. Vite, 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 vite. Il faut qu'ils partent. Allez, go. Merci. Donc là, je fais pas de catapulte ici, sinon on va rester bloqué. Est-ce que je peux faire quelque chose avec lui? Je peux rien faire avec lui. Est-ce que je peux faire quelque chose avec cette tour-là? Non, à pas les envoyer. Oh mon dieu, ben trop de cash. Ok. C'est la nuit. Bon. Bon, on va attendre que la nuit passe. Puis, ah, je peux peut-être donner au chevalier...
Tiens. Oh, ils sont pleins. Parfait. Bon, mes chevaliers sont pleins. Le seul souci que je vais avoir, c'est que... ils vont vraiment venir m'attaquer. Quand je vais péter le portail à droite, ils vont venir m'attaquer à gauche. Je sais pas du tout ce qui m'attend à gauche. Je sais que j'ai un petit portail, deux portails, le méga portail. Je sais pas, mais tout se passe à gauche. De l'argent. Voilà. Jour numéro 10. Lui, il crache du cash. Lui aussi, il crache du cash. Très bien. Ça pleut pas encore. Il n'y a pas encore de pluie. J'hésite. Il faudrait absolument qu'on arrive à se déplacer un peu plus. À gauche. J'ai vraiment peur. Faudrait qu'on arrive à se déplacer un peu plus à gauche. Je sais pas pourquoi je peux pas péter ça. Ça me gosse. Ça, je pourrais dépenser pour lui, mais ça me gosse. Lui aussi. Lui, je peux pas. Lui, je peux pas. J'ai l'impression que je suis obligé de péter. Ok, eux, c'est des forgerons. Donc, je pourrais booster les forgerons. Et les envoyer pour une attaque. Bon, je peux commencer à péter ça. C'est déjà... ah, là, j'ai quand même un champ. Qu'est-ce que j'ai de ce côté-là? Je pourrais les faire venir ici. Même pas. Oh là 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 là. Lui, il est avec moi, mais ça peut très bien... S'il saute, il va aller... là, j'ai un champ que je peux faire. Ce qui est très bien en soi, mais... ah. Peut-être pas dû mettre des pièces là-dessus. Hein. C'est un petit peu dangereux ce que je viens de faire. Donc là j'ai un champ, c'est très bien. Ça c'est pour fortifier mes affaires, donc je pourrais faire ça. Je suis très craintif, sincèrement très craintif. Est-ce que je joue les foufous? Parce que là, le champ est vraiment loin. Mon cheval commence à s'épuiser. J'ai rien ici, rien là. Ce camp-là, je pourrais très bien m'en passer, mais je peux rien détruire. La seule chose que je peux détruire, ce serait... eux, ils n'ont rien à m'apporter. C'est ça. Si je détruis ça, je peux avancer un tout petit peu ici. Mais j'ai plus mon marchand. Est-ce que je prends le risque? Je pourrais très bien faire ça. Ok, je vais aller déposer de l'argent à lui. Là. Allez. Voilà. Maintenant que c'est la nuit, prends-moi ça. Eux, ils ont plein de cash à me sortir, attention. Je savais, hein, c'est à cause des... c'est grâce au lapin. Est-ce que je prends le risque? Est-ce que je prends le risque? Bon, c'est pas ce côté-là qui me fait peur. Bien sûr, je peux construire une tour. Quoi, toi, t'as pris un truc? Allez, je peux. Ok, vas-y, go. J'ai même pas trouvé encore le totem de... bon, ça c'est bon, ça c'est parfait. Là j'ai survécu. Eux ils sont boostés. Ok, ça va être... je pense que ça va être tranquille. Wow, il est descendu. Très bien, bah, reste en bas, c'est pas grave. On va faire manger mon cheval.
Ok, c'est parti. Je vois où est mon petit camp. Allez, travaille un peu, toi. Donne-moi le cash, toi, espèce de voleur. Ok, je les envoie. Je joue pour le tout pour le tout. Là, je vais avoir deux archers de plus. Allez, boys, on y va. Go. Allez, tout. Allez tous vous battre. Ils vont revenir vivants. J'ai pas de crainte avec ça. Non, toi, tu vas rester là. Merci. Merci. Tout va bien aller. Là, j'ai deux gars que j'embauche de plus. Voilà. Lui, il reste à l'intérieur des tours. Très bien. Là, on va se faire attaquer. Wow, on se calme. Voilà. Allez, construisez. Toi, tu repars tout de suite. Est-ce que les autres sont fait bouffer? Ou ils sont venus? C'est une très bonne... Ah, putain, ils sont fait bouffer. C'est pas grave, ça arrive. Non, là, je vais être très fatigué. On va se faire attaquer une nuit de sang dans quelques secondes. Et voilà. Donc là, on rentre tout de suite au bercail. Ils viennent de péter le... Ils viennent de péter le portail. Donc, ils s'en viennent à gauche. C'est sûr, ils s'en viennent à gauche. Et j'ai même pas eu le temps de booster mon affaire pour que... construis plus vite, man. Parce que on va avoir besoin de renfort. Allez plus vite. Ils s'en viennent. Ils vont attaquer. Allez, allez, allez. Dépêche-toi le gros. Allez, cours. Cours, 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 cours. Où est-ce que tu vas, toi? Où est-ce que... Non? Bon. Bye. Il va mourir. C'est pas grave. Est-ce que je peux transformer mon... Où est mon ermite, là? Il a deux mots du cash, ou? Parfait. Donc là, j'ai plus rien. Je vais prendre mon ermite. Et je vais construire une balista. Je pense que je peux faire ça. Le... Il buggy. T'es quelqu'un pour construire ça, moi? Waouh. Il n'y a personne pour construire, c'est bien dommage. Ah, en vain. Parfait. Donc je vais tout de suite aller chercher les gars supplémentaires. Vu qu'il n'y a plus d'ennemis à droite, c'est fini. Je vais pouvoir aussi faire mon champ. Hop, attends. Je vais prendre un peu de... Il devrait survivre à gauche, ça devrait aller. Là, je vais tout de suite faire ma ferme à droite. Je devrais pouvoir faire une ferme à droite. Faut juste que je détruise tout ce qu'il faut détruire. Oh mon dieu. Je peux-tu au moins détruire ce qu'il faut détruire? Cochonnerie. C'est quoi le mot d'ordre? Oh, il va pleuvoir. Donc je me fais une autre nuit de l'enfer. Très très bien. C'est quoi le mot d'ordre pour détruire? Là, ça veut bien se détruire. C'est très drôle, cette affaire-là. Celui aussi? Je la comprends pas. Donc là, j'ai déclenché une nuit de sang. Et j'en ai une parce que j'ai pété le portail. Puis je vais en avoir une autre. Mais là, j'ai comme une balista. Donc il faut absolument que... Là, je vais rentrer. Ouais, j'ai oublié. Oh mon dieu, je pense que j'ai oublié de récupérer.
Couchons-nous. Il est où le soleil? Il pend encore à son max. Très bien. Allez. On se dépêche. Lui, il faut qu'il me donne son cash. Je le savais. Faut que je le renvoie là-bas. Là, j'ai une balista. Très bien. Très bien. Donc là, j'ai un gars qui va tirer ses affaires. Non, non, touche pas à ça. Merci. Toi. Booster à fond. Et voilà. Est-ce que quelqu'un a une pièce à me donner? Non. Ok. Très bien. Donc là maintenant. Attends, je vais embaucher trois gars. Voilà. Pêchez-vous. Faudrait peut-être que j'aille juste booster. Je vais essayer d'aller booster. Non, j'aurais pas le temps, je ne les entends. Donc, on se dépêche. C'est pas encore tout de suite, mais ça s'en vient. Lui. Lui est rentré, donc la nuit arrive. Très bien. Là, je vais aller chercher mes petits sous ici, grâce au lapin. Merci. Bon, là, il se passera rien à droite, mais il va se passer les affaires à gauche. Je vais regarder pour la première fois une balista tirée. Ah, ils ont déjà attaqué? Waouh! Waouh! Combien elle en tue comme ça? Waouh! Eh, c'est quelque chose, sérieux, là. C'est extraordinaire. Bon, là, je vais être tranquille. Ce que je vais faire... Tranquille, c'est vite dit. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais envoyer mes troupes péter le portail de gauche tout de suite. En fait, je peux même pas les envoyer parce qu'il faut que j'avance. Ok. Ok, on va tout de suite... Oh là là, faut que je réfléchisse. Ok, on va aller tout de suite récupérer le cash. Merci. Parfait. Mange un peu d'herbe, puis là je fonce. Faire agrandir le chemin à gauche. Je pense que je peux faire ça. Allez. Un soldat de plus. Là, je peux pas. Là, je peux pas. C'est pas grave. Continuons. Prochaine butte que je peux construire. Pam! Je mets tout de suite ça. Ça va être long, par exemple. Mais en fait, normalement, on devrait être tranquille. Ok. Lui. Non plus. On devrait être tranquille. Non. Ah, ils ont même pas pété ça. Un peu dommage. Là, je peux construire. Je devrais pouvoir passer. Allez, passe de l'autre côté. Go, 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 go. On s'en va. Un petit village, très bien. De la butte, très bien. Ah, voilà enfin l'affaire que j'attendais. Voilà. Je booste ça. Maintenant que je l'ai, hein. On va le booster. Là, je peux toujours pas le péter. Là, j'ai ça. Là, j'ai le coffre. Je peux me promener librement. Est-ce que j'ai autre chose que je peux péter? Toujours rien. Là, j'ai... Je peux construire. Oh. Et là, c'est le méga portail, je pense. C'est ça. Donc, le méga portail est ici. Très bien. Donc, il n'y a pas grande surprise.
Les gars vont avoir le temps de travailler. Vu que ça va être très long pour les envoyer se battre au méga portail. Mais ce n'est pas grave. Donc ça, c'est boosté. Là, je peux rien détruire. Si je pouvais faire des champs, faut que je fasse un champ. Je pense que je peux peut-être. Quoi? Il est actif? Il devrait pas être actif. Ah, il devrait pas être actif. Je pensais qu'il serait pas actif. C'est pas correct. Après une nuit de sang, normalement, il devrait pas être actif. C'est pas correct. Je peux pas le péter. Je me débarrasse du marchand, je pense. Si je peux me faire un champ avec 4 fermiers à droite, je me débarrasse de mon marchand pour libérer de la place partout. C'est simple. Ça, je peux pas le péter. Travailleur. Et non, je peux rien péter à cause du marchand. Et j'ai oublié de l'envoyer. Ça, c'est nul. C'est pas grave. Ok. Bon, là, je vais avoir du cash ici. Oh là 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 là, ça a plu, le cash. Oh non, stop, 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 ça vomit, ça vomit. Ok, je vais tout de suite aller en dernier à mon. Je vais tout de suite aller en dernier à mon. À mon lui. Ça vomit, moi, ça. Lui, oups, je vais faire manger mon cheval. Je peux malheureusement pas envoyer mes chevaliers. Lui, je l'envoie. Donc j'ai plein de cash. Là, je vais construire. J'ordonne-tu? J'ordonne. Tiens. Voilà. Très bien. C'est parti. On va faire 4. En fait, j'aurais peut-être dû garder mon cash. Hein. Merci. 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 Mes super chasseurs. Merci. 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 Ça, c'est mes super chasseurs. Ok. Lui, je le garde. Tiens. Travail, travail. Je peux pas le péter, je peux pas le péter, je peux pas le péter. Je peux rien construire. Mais je pense que je peux là. Là, j'ai une petite place, non? Celui-là, je peux te péter? Je peux pas le péter celui-là non plus, sérieux là. Je peux te faire mon champ quelque part, ma ferme quelque part. Eh, vous m'aidez pas, sérieux. Puis là, j'ai deux troncs qui sont pas pétés. Pourquoi c'est pas pété? Allez. De l'autre côté, tout le monde, allez. 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 Je veux bien me débarrasser de mon marchand. Mais, quoique j'ai plein de lapins, je pourrais très bien me débarrasser de mon marchand. Je veux bien me débarrasser de mon marchand. Mais le gros problème, c'est qu'il me faut un autre revenu. J'ai des lapins. Ça peut peut-être faire l'affaire. Peut-être pas assez de forgerons pour travailler, j'ai trop d'archers. Faudrait que je regarde ça. C'est pour ça que j'ai pas d'option et qu'il n'y en a aucun qui s'en vient pour péter les arbres que j'ai à droite. Parce que là je vais avoir plein de fermiers, 4 fermiers qui vont être construits finalement et qui serviront à rien parce que j'ai pas de ferme. Je sais même pas si en pétant le... comment ça s'appelle?
Et là, j'ai changé l'option. Hein. Je sais même pas si en pétant le truc du marchand à gauche, je vais avoir de la disponibilité. Boum. Boum. Ils sont violents, sérieux. J'ai trop de cash. Ah oui, ils servent à rien. Oh, on se fait attaquer. Bon, on se fait attaquer, mais c'est pas très violent. Bon, c'est décidé, je me débarrasse du marchand. Allez, bye. Puis, je vais me faire des dégâts à marteau. Voilà, lui a mis son cash. Voilà. Le marchand, je pourrais même plus le faire partir. Je sais même pas si je le fais partir, qu'est-ce que ça va faire. En tout cas, on verra bien. J'ai plus de gain à marteau de disponible. C'est ça le problème. Allez. En ayant des gains à marteau, ça me donnait peut-être la possibilité de... Allez. De l'autre côté, les petits. Parce qu'il faut que je dépense pour arriver jusqu'au bateau. Pour que mes, il me faut des forgerons. J'ai plein d'archers, mais j'ai pas de forgerons. Puis il faut que j'envoie mes gars péter le portail à gauche. Le petit portail à gauche. Allez hop. Mort. Merci. Voilà. Bye forgeron. Et voilà, je peux péter maintenant. Non, ça si je le pète, ça serait dommage. En fait, je m'en fiche royalement. Je vais le péter. J'ai des recrues à droite. Donc pétez-moi ça. Allez, pétez-moi tout ça. J'ai des recrues à droite. Voilà. Donc j'ai plus ce camp là, il va disparaître. Tout ça. Allez. Et voilà, ça libère. Je sens tout de suite que c'est plus aéré. Le petit camp va disparaître. On va tout de suite booster ça à fond. Allez. Eux, ils vont me donner un full de cash. Ok, ça c'est correct. Eux, vous gardez le cash. Parfait, vous êtes des branleurs, très bien. Oh merde, j'ai personne pour construire ça. Aïe, 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 aïe. Ça va très mal aller. Je vais chercher mes gars à droite. La construction est même pas faite, c'est n'importe quoi. La mauvaise idée. Quelle mauvaise idée. Je vais embaucher tout de suite. Mais quelle mauvaise idée. Il me faut plus de forgerons. Très très mauvaise idée. Oh merde, il va se transformer en eux.
Bon, ben lui va partir. Ils ont survécu? Allez. Sûr qu'ils ont pas survécu, ils ont fait péter la tronche. Je vais essayer de les récupérer. Où sont-ils? Petit loup, où êtes-vous? Tiens. Te voilà. Très bien. Ah, je te jure. Ben, eux là, je vais en profiter pour faire des forgerons tout de suite. En espérant qu'ils se lancent pas à l'inconnu pour aller se faire péter la tronche. Parce que malheureusement, je peux pas vraiment péter. Là, je vais pouvoir. Je peux pas me faire de ferme à droite, c'est ridicule. Bon. Très bien, pas de ferme ni rien, encore un vendeur. Bon, c'est correct. Eux ils ont sûrement du cash à me donner. Oh, ça suffit, ça suffit, ça suffit. C'est bien. Bon, est-ce que je peux embaucher quelqu'un? Oui. Je vais juste m'assurer de manger un peu d'herbe et continuer à dépenser à gauche. Ok, on va faire une pause ici. Wow, calme-toi. On va faire une pause ici. Merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On avance progressivement. Mais là, je trouve que ce terrain-là ne m'aide pas beaucoup à pouvoir évoluer facilement. Mais c'est pas grave, je vais trouver quand même. Donc, comme d'habitude, faites-moi un petit pouce bleu pour me supporter. Ça m'aide énormément à me positionner dans les recherches. Et grâce à vous, je vais pouvoir me faire connaître plus. Et laissez-moi un commentaire si vous avez des questions ou des astuces concernant ce jeu ou n'importe quoi. N'importe quoi, ok? Je réponds toujours. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez faire partie et rejoindre la famille. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous, bye!